Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse, nous sommes ensemble pour 60 minutes de décryptage d'informations politiques. Vous le savez, la une de l'actualité, c'est évidemment l'attente de la convocation du dialogue politique en République démocratique du Congo. C'est cette question que nous allons traiter de fond en comble dans ce magazine Carrefour d'analyse que nous avons le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau trois invités qui sont avec nous. D'abord, M. Abel-Augustin Amundala. Il représente la vision nationale in ONG de la société civile. M. Amundala, bienvenue. Merci pour cette occasion. J'ai dit bonsoir à tous mes aînés qui sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de partager sur des questions d'État. Bien, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, est représentée ce soir dans ce magazine par Maître Céline Kenyeba. Maître Céline, bienvenue. Bonsoir et merci pour votre invitation sur ce plateau. J'en profite pour saluer les intervenants qui sont avec moi sur ce plateau. Bien, la majorité, c'est M. Momo Moulapou, il est communicateur de la majorité et cadre du PPRD. M. Momo, bienvenue. Merci, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Bien, c'est avec vous que l'on va débuter ce magazine, M. Momo Moulapou. Le dialogue sera convoqué incessamment. D'ailleurs, les choses se sont accentuées. Le chef de l'État, en toute fin de la semaine passée, a réussi. La société civile en toute sa diversité, en début de semaine, certains diplomates. Et le décor est finalement planté. Et pensez-vous que ce dialogue va réussir au regard de cette accentuation de préparatifs? Nous sommes condamnés à réussir. Vous savez, nous ne sommes pas en politique pour gérer nos personnes individuel, mais nous sommes plutôt là pour gérer le moi collectif de la RDC. C'est-à-dire la responsabilité est telle que nous avons un peu trop joué. Il y a eu un premier calendrier rejeté, deuxième calendrier rejeté. De l'autre côté, nos amis de l'UDPS avec un impérium hypothétique. Il y a eu un peu, je peux dire, un peu de cacophonie sur la fin du mandat ici du Aïs Joseph Kabila, et nous devons remettre les choses en ordre. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. J'invite tout le monde avec nous à discuter responsablement, dignement, mais surtout constructivement, afin que nous donnions un avenir à ce pays. Il ne s'agit pas de l'avenir de tel ou de tel, mais l'avenir d'abord de la RDC et nous tous dedans. Bien. Maître Céline, le décor est-il finalement planté pour que l'UDPS participe à ce dialogue? Bien sûr, nous réalisons qu'il y a une avancée quant à l'organisation du dialogue que nous attendons tous. Évidemment, sur le plan de la médiation, nous attendons que les choses se confirment. Je reviens plutôt à dire que si nous avions tout ce temps réclamé l'impérium pour l'exercice du pouvoir que l'UDPS avait gagné par les élections, ce n'était pas que l'impérium était hypothétique. Nous connaissons aujourd'hui la réalité dans ce pays. Nous savons que, d'une manière générale, l'armée, entre guillemets, n'est plus apolitique. C'est ce qui ne nous a pas permis de réunir cet impérium que nous attendions pour pouvoir exercer ce pouvoir. Et donc, pour l'instant, on peut estimer que le seul problème qui se pose, c'est au niveau de la médiation, c'est ça? Je pense que c'est le seul problème. Bon, c'est même pas un problème qui se pose. C'est déjà acquis, mais nous attendons que les choses soient fixées pour que le dialogue puisse démarrer. D'ailleurs, devant les diplomates à Kinshasa, le chef de l'État a dit que le dialogue sera convoqué avec ou sans médiation internationale. Bon, c'est sa manière à lui de parler, mais nous disons avec la médiation internationale. On va revenir à vous pour entrer en profondeur, M. Abel Amundala. Vous êtes de la société civile, une fois de la société civile, soutien à ce dialogue. Et finalement, voyez-vous l'importance de la convocation du dialogue parce que les préparatifs s'accentuent déjà? Oui, parlant de la société civile, il faut dire qu'il y a plusieurs corporations
qui sont connotés comme de la société civile. Mais pour ma part, j'ai dit que le dialogue ici n'est pas opportun et donc même les moments ne s'y prêtent pas. Les moments ne s'y prêtent pas, pourquoi ? Déjà, au niveau de la forme, c'est-à-dire nous tendons vers la fin du mandat du président de la République. Est-ce que lorsqu'on tend vers la fin du mandat du président de la République, il faut convoquer un dialogue ? Je ne sais pas. Et donc, si nous entrons dans les fonds, sur ces plateaux, j'ai suivi les communicateurs de la majorité dire que l'IDPS réclamerait l'impérium hypothétique, maman de l'IDPS qui réagit. Donc vous voyez déjà sur cet aspect, c'est déjà un mauvais départ. Déjà, il y a un problème d'impérium qui se pose. Alors que le chef de l'État a déjà presque consommé tous les temps et tous les mandats. Est-ce que c'est à ce moment qu'on doit soulever cette question d'impérium ? C'est un peu tard pour les gens de l'IDPS et les gens du pouvoir, s'ils avaient estimé qu'il y avait vraiment un problème parce que l'IDPS réclame l'impérium. C'est déjà au début qu'il fallait convoquer ce dialogue avec les gens de l'IDPS. Ce n'est pas à la fin du mandat qu'on doit convoquer ce dialogue. Et c'est pour ça que nous qui sommes avertis, nous connaissons les vrais objectif de ces dialogues. Comme nous ne partageons pas cet objectif, nous disons non. C'est clair. Les pouvoirs veulent glisser. Les pouvoirs veulent rallonger les mandats du président de la République en fonction. Aller au-delà de 2016. Pas plus tard que hier, les communicateurs de la majorité l'ont avoué. Mais c'est Atundu. Je pense que j'ai bien prononcé. Il a dit dans la conférence de presse hier que l'État l'état actuel des choses ne permet pas une alternance en 2016. Donc déjà, vous comprenez par là que tout est clair. Les dialogues, ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Les dialogues, ce n'est pas dans l'intérêt des favoris. Mais l'UDPS a dit qu'à tout moment, qu'il y a des choses qui ne donnent pas dans l'intérêt de la nation, l'UDPS va claquer la porte. C'est ça qui a été dit dernièrement par le porte-parole de l'UDPS. Effectivement, c'est-à-dire... Ici, c'est question d'enjeu et question de jeu politique. Lorsque l'IDPS va participer à ces fameux dialogues, et l'IDPS va constater effectivement au courant des travaux du dialogue que les choses ne sont pas dans l'intérêt de la République, l'IDPS va claquer la porte. Mais dans l'entretemps, nos amis vont continuer. À la fin, il y aura des résolutions de ces dialogues. Opposables à tous. Ces résolutions devront être gérées par un gouvernement de transition. Nous savons ce que ça veut dire ces dialogues. Et donc, nous opposons, nous disons que les moments ne s'y prêtent pas. Les questions qu'on a reprises à l'ordre du jour dans les dialogues sont des questions d'ordre institutionnel et dans lesquelles les institutions existent. Des institutions spécifiques liées à ces femmes. Monsieur Bomomoula, finalement, Monsieur Abel Amundala pense que le décor est déjà planté pour un glissement du pouvoir en place. Vous avez évidemment un avis contraire à ce propos. Bon, on sait déjà que ils ont... D'abord, le mot glissement n'existe pas en français, ils l'ont imaginé. Il a aussi parlé de la prolongation du mandat. Oui, donc je crois que tout ça, c'est dans leur chef, c'est à eux d'imaginer leurs choses. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables dans la mesure où nous avons déjà pu gérer un plus 4 et ensuite deux mandats. Nous sommes en train de terminer le deuxième. Et nous savons ce qui arrive quand les Congolais vont dans quelque chose pour lesquels ils ne s'entendent pas. En 2011, il y avait des réglages qu'il fallait faire pour permettre à ce que l'élection se tienne et qu'elle soit financée par la RDC, ce qui a été finalement le cas. Et finalement, vous savez, le résultat qui en est sorti, c'est pour ça que j'ai parlé de l'impérium, c'était juste une manière de provoquer un peu notre grande dame ici pour qu'elle puisse un peu donner de la matière. Il faut peut-être corriger ce qu'il a dit, c'est que l'impérium n'est pas l'ordre du jour du dialogue. Voilà. Vous allez le dire. Merci beaucoup, madame. Maître Céline, de nous avoir précisé. Il n'est pas question d'impérium lors de ce dialogue. Il est question de données électorales. Nous voulons avoir un calendrier parce que nous, au niveau de la CENI, qui est une institution consensuelle, nous avons obtenu deux fois deux calendriers qui ont été rejetés. Donc il ne s'agit pas de mettre l'armée sur la rue et de dire tu votes vert ou rouge. Donc pour avoir un bon calendrier, il faut aller seulement au dialogue. Oui,
Tout simplement parce que ceux-là qui sont concernés par cette élection doivent être d'accord avec tout ce que nous nous disons dedans. Parce qu'en fait, nous avons un problème. Nous avons dit que l'homme politique congolais, il doit encore être cultivé dans le sens que les personnes que nous déléguons doivent avoir notre pouvoir. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'au niveau de la CENI, nous sommes les seuls à accepter les résolutions de la CENI. Au point que certains pensent que la CENI, c'est une institution du pouvoir. Non, la CENI, c'est une institution consensuelle, mais que ces gens, justement l'opposition, et l'opposition qui a des visées de créer le trouble et les chaos dans ce pays, c'est elle qui envoie des gens à la CENI et qui, par la suite, dit non à ce que ces gens qu'elle a envoyés. Pourquoi ne pas envisager par exemple cette proposition de la dynamique qui pense qu'il faut une tripartite pouvoir majorité CENI qui ne peut pas quand même prendre beaucoup de temps que d'aller dans un dialogue politique où vous avez la possibilité de terminer avec des propositions comme le gouvernement de transition et consorts. Les Congolais ont la maladie de chercher à dire quelque chose de manière originale. C'est une maladie grave. Nous avons eu des concertations ici sur les questions générales de la nation. Les gens ont refusé d'y participer parce qu'ils voulaient le mot dialogue. Maintenant, on met le mot dialogue. Ils disent non, il ne faut plus le mot dialogue, il faut le mot tripartite. Vous imaginez que nous n'allons pas hypothéquer la venue. C'est le fond de ce qu'ils sont en train de faire. Le fond, c'est quel fond qu'il y a? Quelle est la différence qu'y a-t-il entre concertation et dialogue? Quelle est la différence qu'y a-t-il entre dialogue et tripartite? Hein? Il n'y a aucune différence, c'est juste, excusez-moi les termes, mais du verbiage creux. Parce qu'au fait, en réalité, c'est que nous voulons régler les élections à venir. Merci. Comment nous allons y aller? Donc, excusez-moi juste que je termine. Allez, pour que je vous dise que nous voulons avoir un dialogue au cours duquel ceux-là qui s'engagent, ils vont respecter ce qu'ils vont faire. Si les gens refusent de venir au dialogue, on comprend qu'ils n'ont rien à dire sur les élections. Et s'ils ne viennent pas, ce sera un dialogue inclusif ou exclusif? Non, nous, exclusif, ce sera dans l'appel. Si le décret qui appelle le dialogue, il ouvre les portes à tout le monde, il est inclusif. Mais si quelqu'un refuse, c'est encore ça une manière de s'inclure. Il peut s'inclure de l'extérieur. Eux-mêmes, nous avons eu à faire des débats avec eux, les gens de leur dynamique là-bas. Ces gens là-bas, ils disent que même si vous allez au dialogue, nous aurons un œil là-dedans. Mais eux, ils disent qu'ils ne vont pas y aller, mais ils veulent avoir un œil là-dedans. Oh là là. Maître Céline, l'UDPS dit être prête d'aller au dialogue, mais à tout moment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous allez claquer la porte. Est-ce la solution ou il faut déjà les envisager dès maintenant comme vos autres collègues de la dynamique qui voient déjà des mauvais au départ de ce dialogue? En fait, ceux qui disent que l'UDPS va claquer la porte, ce sont les mêmes qui ont traité l'UDPS d'intransigeant parce que l'UDPS réclamait la vérité des urnes pour l'année 2011. Aujourd'hui que l'UDPS veut aller autour d'une table et régler les problèmes qui sont afférents aux élections. Vous savez, en 2006, nous avons connu des problèmes où il y a même des gens qui sont morts ici au pays parce que le processus électoral n'était pas balisé comme nous le réclamions. En 2011, ça a été le même problème. Il y a eu beaucoup de contestations. Nous voulons maintenant que nous allions aux élections avec une assurance que les résultats qui vont sortir des urnes, ce sont les résultats que l'on va respecter. Évidemment, on nous parle ici, qu'on nous dit que l'ordre du jour qui a été arrêté, c'est un ordre du jour que les institutions en place peuvent traiter. Mais c'est que les institutions, parce qu'eux-mêmes là-bas, ils reconnaissent aujourd'hui que Et le Sénat et l'Assemblée nationale et presque toutes les institutions sont à la solde de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces institutions quand nous savons que toutes les décisions qu'elles vont prendre seront profitables? Et qu'est-ce que vous allez aussi attendre maintenant au dialogue, Maître Céline? Mais le dialogue là, pourquoi nous cherchons à ce que ce dialogue puisse se passer sous la médiation internationale? Nous y allons en écho. C'est deux parties égales qui traitent des problèmes du pays sans qu'il y ait prédominance du pouvoir ou de je ne sais quoi.
Voilà pourquoi nous réclamons ce dialogue. Et en tant qu'un parti démocratique, nous pensons que le dialogue, c'est la voie privilégiée pour trouver une solution au problème de la nation, pour éviter que 2016 ne puisse pas connaître les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, que des gens soient tués, qu'il y ait des troubles sur l'étendue de la République à l'issue des élections. D'accord. Chabela Moundala, 2016, les troubles ne doivent pas avoir lieu. Et c'est dans ce sens-là que l'UDPS pense qu'il faut aller déjà de maintenant préparer le chemin, baliser le chemin pour qu'il y ait des élections qui ne seront pas contestées. Et vous, de l'avis? Je ne partage pas cet avis, et surtout par rapport au moment. Au regard de l'expérience des élections organisées en 2006 et en 2011, je pense que l'IDPS ne devrait pas être dans la distraction et attendre la veille de la convocation du scrutin électoral en ce qui concerne le mandat du chef de l'État pour remettre en question cette problématique d'organisation des élections apaisées et transparentes. Et donc l'IDPS devait mener cette démarche déjà au lendemain des problèmes qui sont survenus en 2011. Mais remettre ces problèmes maintenant là, ça veut dire faire une passe en or aux gens qui gèrent les pays pour l'instant, d'aller au-delà du mandat. Déjà, les dialogues, c'est pour ce qui nous intéresse, c'est pas le dialogue lui-même, c'est peut-être les résolutions ici de ces dialogues. Alors qu'en RDC, nous avons déjà de l'expérience. Nous avons organisé les concertations nationales ici. Nous savons ce que ça a donné. Et donc les résolutions aujourd'hui sont enfermées, on ne sait où. Mais il y a eu quand même nous avons l'accord entre. Combien de temps après, mon frère? Ça veut dire aussi pour ces dialogues, on peut dire pour des bonnes élections. Il faut ça, et l'applicabilité de cela, il faut attendre 2020-2021. C'est ça la crainte. Nous avons les accords entre le gouvernement et le M23. Dans le respect, qu'est-ce que ça a donné? Donc, déjà que nous avons un problème de respect de ce que nous mettons en place lorsque nous nous mettons ensemble, nous avons déjà ces problèmes, il y a crise de confiance. Donc, à ces jours, crise de confiance entre politique ou avec la population? La population est ce qui gère. Alors, qu'est-ce qui doit être envisagé? Parce que le dialogue doit avoir lieu. Et nous ne voyons pas que nous risquons d'avoir un dialogue qui ne sera pas inclusif. Nous disons ceci. Effectivement, le dialogue ne sera pas inclusif. Déjà, il y a une grande partie de l'opposition qui a dit qu'on ne prend pas part. On ne fait pas les jeux de la majorité qui gère. Il y a l'IDPS qui va partir avec des conditions, notamment la médiation internationale, mais déjà dans les chefs du pouvoir, on dit ça peut être avec homme, ou sans ça médiation. Ne peut pas être. Déjà, si on constate effectivement qu'au début de ces dialogues, il n'y a pas la médiation internationale, vous voyez que déjà ça va poser problème. Et nous continuer à consommer. Nous sommes en train de dire que les dialogues va amener beaucoup plus de problèmes dans ces pays au lieu d'en résoudre. C'est l'arbre à palabre pour l'Afrique, pour résoudre certains problèmes. En fait, il n'y a pas que le dialogue qui a amené beaucoup de problèmes dans ce pays. Je suis en train de finir. J'ai dit, les dialogues dont on veut convoquer, on lui a donné comme objet les questions électorales. Mais nous disons ceci. Si c'est pour traiter les questions électorales, on peut constituer une commission dans laquelle il y a des gens de l'IDPS, donc les gens de l'opposition, la majorité, la commission électorale. Sous forme d'une tripartite. Effectivement. Et là, on va discuter. On va partir sur des points égaux, comme les souhaite Maître Céline sur ce plateau. Dans cette commission, on passe sur des points égaux. Au lieu d'envisager toujours les dialogues, parce que dans les dialogues, on sera effectivement obligé d'avoir un gouvernement de dialogue, un gouvernement de crise, un gouvernement de transition, un gouvernement de je ne sais quoi. Cela va permettre de laisser un boulevard. S'il y a un gouvernement comme celui-là à la fin du dialogue, est-ce que c'est quand même mauvais si ce gouvernement a pour mission d'organiser des élections qui ne seront pas contestées? Parce que c'est ça le souci des Congolais, avoir une élection qui ne sera pas contestée. Merci pour la question. Mais déjà, un gouvernement d'organisation des élections, dans l'entretemps,
à la tête qui reste, c'est celui qui est là maintenant. On comprend que votre déjà, vous allez comprendre déjà que par là, il y aura toujours des problèmes. Donc, il peut y avoir même crise de légitimité. On va dire non, mais vous nous gérez parce que vous devez gérer ce temps de crise de la transition. Donc, on a déjà donné le ton. Le train de la démocratie est en marche. Ah, donc, le cycle électoral est déjà défini. 5 ans pour les mandats, 5 ans pour tous les mandats. Et donc, restons dans ces cycles-là. On comprend pour les autres niveaux, c'est-à-dire les sénateurs et autres, on n'a jamais été dans ces cycles. Mais pour ce qui est du mandat présidentiel, il y a déjà donc, un cycle de 5. Effectivement, c'est l'élection la plus importante. On va dire les élections ne sont jamais hiérarchisées. Mais les institutions sont hiérarchisées. Merci. Il y a la première institution. Merci, au regard de ces institutions. Avant de parler de ce moment, vous aviez une réaction rapidement. C'est le moment qui doit prendre la parole. Rapidement, votre réaction, maître Tini. Vous savez, refuser un schéma proposé, tout simplement parce qu'on a des craintes, ainsi de suite. Heureusement qu'ils expriment leurs craintes et que nous prendrons ces craintes en compte pour ne pas tomber dans ce qu'ils sont en train de craindre. Quelle est l'assurance que l'on peut nous donner que si aujourd'hui nous allons aux élections en 2016 sans au préalable avoir balisé la route pour ces élections, il a dit quelque part, il y a quelqu'un de la majorité ou le porte-parole de la majorité qui a dit qu'il n'y aura pas d'alternance. En 2016. Mais quelle assurance ils ont, eux, qu'en allant aux élections, il y aura alternance? Ils n'ont aucune assurance. Si toute chose reste égale par ailleurs, nous craignons effectivement que l'on puisse encore tripouiller dans les urnes pour sortir des résultats qui ne sont pas l'expression du peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons que nous allons au dialogue pour traiter de toutes les questions qui ont surgi lors des élections de 2011, de toutes les questions qui fragilisent la légitimité du pouvoir dans cette même nation. Même s'il faut qu'il y ait un prolongement de mandat, mais que vous ayez quand même... Nous ne sommes pas d'accord avec le prolongement de mandat. Nous sommes les mais premiers... Mais comment ça va se passer? Parce que nous sommes les mois premiers, sont en train d'avancer. Nous sommes les premiers... Oui, mais les mois avancent avec ou sans dialogue. Les mois continuent à avancer. Nous allons vers les élections. Alors, nous sommes les premiers à chercher ces élections. De l'opposition, vous parce que nous venons de perdre les 5 ans, alors que c'est nous qui devions être au pouvoir en train de diriger ce pays. Donc vous comprendrez que nous sommes les premiers à chercher ardemment ces élections. Et ces élections auront bien lieu en 2016. Dans le délai constitutionnel. Oui, dans le délai constitutionnel. Alors, par ailleurs, nous avons aussi un problème. Lui, il parle d'une rencontre inclusive. Une tripartite. Mais il oublie qu'il y a des parties de la population avec le leader aujourd'hui qui risquent d'être écartés de leurs droits politiques que sont les élections parce que tout simplement, ils sont incarcérés pour leurs idées politiques parce qu'ils se sont exprimés d'une manière ou d'une autre. Nous voulons, parce que nous sommes dans un pays démocratique, que tous les prisonniers politiques soient libérés. D'accord. Parce que c'est leur droit aussi d'assister, de participer aux élections. D'accord. Alors, M. Momo, avec vous, on va parler de cette question, mais avec l'autre volet qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, l'EIF, qui salue, bien entendu, l'idée d'organiser le dialogue, mais qui pense que ce dialogue doit respecter la constitution de la RDC, ça veut dire rester dans le délai constitutionnel. Votre réaction? D'abord, je ne vois pas à quel titre l'OIF peut nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons faire. La RDC est membre de l'OIF. Oui, mais ça ne leur donne pas le droit de nous dire ce que nous devons faire chez nous. Je voudrais aussi préciser que c'est le gouvernement de la République qui a demandé une expertise pour calculer le temps que coûterait la révision du fichier électoral. Bon, ils ont avancé aussi, ils sont tombés dans les mêmes proportions que ceux que nous avons nous-mêmes. 3-4 ans. Non, c'est pas ça, c'est vous qui imaginez les choses. Ils ont dit entre 2 à 3 mois, cela pourrait prendre pour pouvoir croire. Mais à cela, il faut ajouter le temps de déploiement, le temps de collecte,
la mise en ordre. Et tout ce temps-là, vous ne pensez pas que ça va nous risquer d'aller de là. Écoutez, ce que nous disons, il ne faut pas qu'on croie que nous sommes en train de diriger avec un revolver de l'équipe de M. Abel Augustin Mandala. Ou de l'OIF. Ou de l'OIF, ou de qui que ce soit. Ou de la communauté internationale. Non, nous sommes en train de gérer. Mais ce sont des partenaires privilégiés du pays. Nous sommes en train, oui, nous les respectons. Eux aussi, ils ont ce même devoir envers nous. Il ne faut pas croire que nous avons peur. Hein? Attention, nous sommes en train de les respecter. Eux aussi, ils ont les mêmes devoirs. Nous sommes en train de gérer les choses de la manière la plus orthodoxe qui soit. Les gens ont réclamé le dialogue. Nous donnons le dialogue. Les gens ont réclamé qu'il y ait quoi, un consensus. Nous voulons que de ce dialogue sorte un consensus. On ne peut pas dire non, moi je vais au dialogue. S'il y a ceci, je vais me retirer. Mais c'est quoi ça? Et toutes les questions doivent être traitées. Non, les questions qui sont prévues au dialogue. Nous avons eu un pré-dialogue avec l'UDPS, justement. Le pré-dialogue concernait. Mais pas fini finalement, malheureusement. Non, les questions étaient déjà. Les questions étaient épuisées. Si les gens sont restés un peu quelques minutes, c'est pas grave. Mais ce qui est vrai, c'est que les questions électorales seront abordées lors de ces dialogues et elles seront épuisées. Donc il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'il y a des Congolais ici qui sont les policiers pour mettre le gouvernement en joue, pour dire 2016, si vous ne faites pas ceci, nous allons. Non. Nous même payons le respect de la Constitution, M. Momo, ne l'oubliez pas. C'est quand même un devoir pour un pays qui doit respecter le cycle électoral. M. Amundala l'a dit tout à l'heure. S'il y a. Non, mais Amundala l'a dit, mais il a aussi été heureux de voir que les sénateurs étaient hors mandat et que pour lui c'était normal. Pour lui, c'était normal, même son ami, l'ancien gouverneur, qu'il ait fait 8 ans au lieu de 5 ans. Pour lui, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part des choses qui ne vont pas dans la tête de ces gens qui réclament, qui sont en train de menacer la République. Et donc, pour vous, le respect de l'inconstitutionnel. Non, le respect, c'est un acte général de nous tous. Il n'y a pas nous qui sommes cachés en train de chercher à tricher la Constitution et d'autres qui sont là pour nous démasquer. Non. Nous sommes en train de conduire. Il y a eu des calendriers électoraux. Hein? Des calendriers électoraux ont été faits. Les gens les ont rejetés pour ceci, pour cela. Alors on rassemble tout le monde, on s'entend sur un calendrier consensuel, on le respecte ensemble. Quoi de plus mieux que des Congolais de se mettre ensemble? Quoi de mieux que de s'entendre sur les choses? Sous la palabre. Oui, que d'entendre des gens qui vous disent non, attention, nous entendons les intentions. Et même s'il y avait ces intentions là-bas, ça fait quoi? Mais ça ne fait pas respecter la Constitution. Oui, mais ça fait quoi? Mais c'est notre pays à nous, non? C'est que nous le gérons comme nous pouvons. Nous n'allons pas faire n'importe quoi, mais quand nous voyons que les choses ne vont pas bien, nous nous rassemblons, nous nous entendons. C'est ça même la sagesse africaine. Alors, c'est maintenant, c'est là-bas qu'on est en train d'entendre sur les réseaux sociaux, sur le plateau avec des gens comme Augustin Amundala. Excusez-moi le terme, c'est quand même quelque peu prendre le pays à la légère. Alors, comme si c'est quelque chose dont la stabilité, le progrès peuvent être bradés simplement parce que deux ou trois personnes, parce qu'elles en ont la capacité. Non. Monsieur Momo, avant de donner la parole à M. Amundala, je voudrais, en dehors de questions électorales que l'on a évoquées, qui seront débattues, parce qu'avant cela, même le dialogue, beaucoup d'acteurs politiques, notamment de la majorité, pensaient que la constitution actuelle était inadaptée. Est-ce que c'est une occasion qu'on en parle? Merci beaucoup, merci pour la question. Là, même si vous rentrez, vous venez encore attiser encore un autre feu. La constitution actuelle, tout le monde est d'accord qu'elle doit être révisée. Tout le monde est d'accord. Allez-y. Monsieur Augustin, il faut faire une formation de journalisme, attention. Allez-y. Monsieur Augustin va réagir. Tous les Congolais sont d'accord qu'il y a des points. Il y a des points qui fâchent dans la constitution. Hein? Il y a des points qui fâchent, notamment, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est celui de la double nationalité. Hein? C'est un point qui fâche. Il y a plein de points, hein, des petits points là qui doivent être révisés et qui le demandent à le faire et qui seront réellement révisés. Lors du dialogue. Non, le dialogue ne concerne pas la révision constitutionnelle. Allez-y. Donc, ces points là-bas existent. Nous allons au dialogue pour les calendriers électoraux. Les restes là-bas, des révisions là-bas. Moi, je veux cette révision constitutionnelle. Je soutiens la révision constitutionnelle à corps et à cri. En tant qu'individu ou en tant que communicateur de la majorité? Tout, c'est moi, je suis entièrement moi. Je suis un individu, je suis un acteur de la majorité. Je dis que je soutiens ardemment le quoi? Parce que la constitution que nous avons est perfectible. Elle est inadaptée. Elle est perfectible.
Donc nous devons la perfectionner, et ça pour répondre aux besoins de tous les Congolais. Parce que moi j'ai des neveux, des nièces qui sont nés en dehors de ce pays et que ce pays là-bas leur ont appliqué autre chose. Et qui doivent venir me voir seulement avec un visa. Qui peut accepter que son fils vienne me voir avec un visa? D'accord. C'est quoi ça? On va revenir à vous, Mouchabé Amundala. L'autre marche de la question évoquée, c'est cette question de la révision constitutionnelle. Bien que le dialogue n'aura que la partie électorale, est-ce qu'il y a aussi opportunité de toucher ou de retoucher cette constitution? Comme M. Lomo le dit, il y a des choses qu'il a dit qui font fâcher. Est-ce qu'il y a opportunité de le faire? Oui, je suis heureux de les suivre sur ce plateau. Il a vraiment étalé la vision dans laquelle son camp va aborder ces fameux dialogues. Je les lis entre ces lignes, entre ces dires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour la majorité, lorsqu'on va au dialogue, on essaye de discuter. La majorité va dire, nous voulons les élections à la base. En sachant que l'autre camp... C'est d'ailleurs ce qui a été dit dans la campagne. En sachant que le camp en face va dire, nous voulons les élections les plus importantes qui sont les élections présidentielles. Dans ces débats-là, ça prendra le temps et au finish, il y aura un compromis. Dans la gestion des compromis qui seront prises comme des résolutions de ces fameux dialogues, il faut un gouvernement qui va accompagner les résolutions du dialogue. Dans les gouvernements qui accompagnent les résolutions du dialogue, c'est alors qu'ils vont soulever cette question de révision constitutionnelle. Parce que le gouvernement ne sera pas conforme. Tout en essayant de distraire les gens avec cette question des doubles nationalités, cette question des partis politiques qui posent problème. On va essayer de faire comprendre aux gens cela. Si nous allons à la révision constitutionnelle, c'est pour permettre aux Congolais d'avoir une nationalité, une autre nationalité en dehors de la leur, réguler un peu les questions des partis politiques, distraire les gens avec ça, alors que leur objectif sera de toucher à ce qui concerne les mandats présidentiels. Après cela, ils vont aller au référendum. Donc, vous voyez déjà les plans dans lesquels la majorité veut nous amener en convoquant ce dialogue. Il a été clair sur ce plateau. Ils vont copier le catéchisme de Congo Brazza. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de finir pour lui laisser le temps. Je vais finir pour lui laisser le temps. Le schéma que je vous ai tracé ici, c'est le schéma dans lequel la majorité veut nous amener à convoquer ce aujourd'hui. Il a démontré ici. Je reviens à la question de départ. C'était l'expertise de la francophonie. Nous avons tous suivi parce que la francophonie a un département qui traite des questions électorales. La RDC, étant membre de la francophonie, a sollicité l'expertise de cette institution. Nous avons tous suivi l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs de la francophonie. Il a été à la CENI, on a essayé d'entretenir, il a visité, tout ce qu'il y a comme fichier électoral. Il a été clair, il a dit, baliser ces fichiers, ça peut prendre 1 à 2 mois près. Parce que pour lui, il dit que les nouveaux majeurs, d'après les fichiers de 2011, sont estimés à plus ou moins 8 500 000. Dans les fichiers de 2011, les personnes peut-être qui sont mortes jusqu'à ces jours sont évaluées à 1 600 000. Et donc, il suffit de voir comment inclure, ajouter au fichier actuel près de 7 millions d'électeurs. Et donc, cela peut prendre 1, 2 à 3 mois. Et il a même dit, s'il y a la volonté politique, il y a possibilité, tout en révisant ces fichiers électoraux, de convoquer l'élection dans les délais constitutionnels. Et donc c'est une question de volonté politique, ce n'est pas une question de dire non. Et puis menacer les gens pour dire on dirige le pays comme on veut. Non, on dirige le pays avec les textes. Merci, M. Moudal, on revient à vous. Maître Agnès, plutôt Maître Céline, on est à vous. Des questions ont été soulevées beaucoup, comme celles qui concernent la révision constitutionnelle. Merci beaucoup pour cette question. J'ai entendu M. Momo déclarer ici, ce sont des questions qui fâchent.
Ces questions ont fâché pendant les plus de 11 ans qu'ils ont dirigé cette nation, ou bien ces questions viennent de les fâcher seulement maintenant. Nous pensons que nous sommes devant des priorités qui tiennent à la survie de cette nation démocratique. Et donc, nous supposons que s'ils n'ont pas pu traiter de toutes les questions qui sont importantes pour la nation congolaise, ceux qui viendront après eux pourront traiter ces questions. Ça veut dire là que vous sentez une certaine continuité Oui, ceux qui viendront après eux pourront traiter ces questions. Mais ici, les problèmes qui sont prioritaires, c'est les problèmes qui sont liés aux élections de 2016 et celles de 2015 qui ont raté. Et s'il faut aller à ce dialogue par rapport même à ces élections, Maître Céline, la majorité, le pouvoir en place pense que s'il faut commencer les élections, il faut commencer par les élections à la base. Parce que c'est là qu'il faut renforcer la démocratie. Oui, je suis d'accord avec vous. Les élections à la base, moi je pense que lorsqu'il y a une volonté politique et lorsque nous organisons bien les choses, toutes ces élections peuvent avoir lieu dans le dernier semestre de 2016. Nous pouvons passer toutes les élections. Et donc vous partagez le même point de vue qu'M. Mondala qui pense que c'est question de volonté politique en quelque sorte. Alors, M. Mondala, M. Céline parle d'une volonté politique. Est-ce que cette volonté manque au niveau de la majorité finalement pour que ce cycle électoral puisse se passer de la plus belle de manière? Je voudrais d'abord commencer par ce que Maître Céline a dit. Les questions qui fâchent, on ne les résout pas toutes du coup, parce que nous sommes dans un pays, comme vous avez dit, démocratique. C'est-à-dire que même lorsqu'on a accepté cette constitution, il y avait des avancées qui avaient été réalisées et il y avait d'autres pour lesquelles on demandait un peu de temps pour pouvoir les implanter sans trop de casse. Donc, ces questions existent. Depuis tout ce jour, nous avons une grande communauté de Congolais à l'extérieur de ce pays et qui vous regardent, qui vont vous suivre sur YouTube et qui vont se demander, est-ce que c'est notre maman qui dit ça? Donc, vous avez... Je ne dis pas que la double nationalité n'est pas un problème. Moi, je dis que toucher à la Constitution aujourd'hui, c'est sensible. C'est vraiment sensible. Donc, c'est pas important pour le moment. Je suis en train de répondre pour dire la question était celle du journaliste si nous tenons toujours à la révision. Il ne demandait pas si nous allions réviser la Constitution aujourd'hui. Il demandait si cette question reste en veilleuse. Donc, j'ai répondu que la question est là, mais que le dialogue concernait autre chose. Donc, quand vous répondez, s'il vous plaît, essayez de toujours nous suivre pour ne pas nous faire dire ce que nous avons. Allez-y, monsieur Momo. Alors, ce que nous allons dire dans ce que monsieur Augustin Abel. Abel Augustin, excusez-moi, il y a trop de noms pour Européens ici. Excusez-moi, moi je suis trop encore africain. J'ai dit plutôt que dans ce qu'il a dit là-bas comme schéma de la majorité, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la rêverie populaire de certains politiciens qui n'analysent pas les faits tels qu'ils sont. C'est vraiment malheureux. Non, mais il a fait une démonstration par rapport aux faits ici. Il a parlé d'une rêverie de faits. Il n'a jamais parlé des faits. Il a pris les discours que j'ai faits sur autre chose. Il a ramassé ce qui lui a plu. Il a monté une pensée à lui et il me l'a attribué. Et vous, malheureusement, vous avez accepté. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que lui pense que cette constitution ne doit pas être faite. Dès que nous avons un calendrier électoral consensuel avec tout le monde, ainsi que les mécanismes de financement des élections et toutes choses, nous commençons à les mettre en place. Nous allons aller aux élections. Je vous ai dit la question. Je ne vois pas que vous risquez d'être en contradiction avec la Toundou qui dit autre chose, que le cadre n'est pas opportun, qu'il y a alternance en 2016. Non, écoutez, le cadre n'est pas opportun qu'il y ait alternance en 2016. Je n'en ai même pas parlé. Je n'ai même pas effleuré la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est tout à fait, il est de bonne loi, il est de bonne guerre, que nous aussi on ait des aspirations à nous, que nous allons mettre aussi sur la table lors du dialogue. Parce que nous sommes après tous Congolais, nous ne sommes pas
des coupables qui allons aller au dialogue pour aller nous justifier devant nos juges naturels qui seront les Abel Augustin Mandala ou Maître Céline. Non, Chabel ne sera pas là parce qu'il n'est pas... Oui, il ne peut se reposer parce qu'il n'a pas justement de la matière à dire, c'est pour ça qu'il n'est pas là. D'accord. Donc qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous allons aller pour régler les questions. La question de dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Les Congolais qui nous regardent sourient, Maître Céline. Ils sourient quand ils voient Abel Augustin Mandala dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que deux fois, deux calendriers électoraux ont été proposés. Hein? Ont été proposés. Le deuxième calendrier avec toute une rubambelle de contraintes en ce moment. Écoutez, ça ne vous dit absolument rien. Ces contraintes là-bas, ce sont des contraintes qui devaient être les nôtres à tous. Ils n'excluaient pas la majorité. Et la majorité, et l'opposition, et la société civile, nous tous nous étions soumis aux mêmes contraintes. Donc, si nous avons choisi de coopérer dans les deux cas, les deux calendriers, les gens ont revu la volonté politique. S'il manque de volonté politique à ce jour dans ce pays... Moment. Excusez-moi, monsieur, comment vous... Votre taille, rapidement. Non, écoutez, allez-y. Laissez-moi aussi. Allez-y. Parce que je suis seul contre deux. Allez-y. Donc, qu'est-ce non, que non, je veux non, dire non, 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 non. Chacun représente son chacun cas. Chacun est venu ici pour, représenter ses idées. Allez-y, M. Moumou. Vous voyez que vous laissez madame intervenir, même si vous taille. Vous perdez. Non, mais c'est, je dois aussi me plaindre allez-y. Quand ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la volonté politique qui a manqué ici, c'est celle de l'UDPS, c'est celle de l'opposition ici, hein, autre, les autres que l'autre conglomérat là, des oppositions, et ainsi que celle de la société civile, qui ont cru à un certain moment qu'il fallait nous laisser, nous, qui gérons, aller droit dans un mur. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se laissent aller dans un mur. S'il y aura un mur, il y aura un mur pour nous tous, parce que nous tous... Nous avons donné un calendrier électoral à travers la CENI avec eux. Ils l'ont rejeté par deux fois. C'est Merci. Eux qui n'ont pas la volonté politique, Merci, pas nous. Alors, nous allons faire la dernière ronde, chacun 2 minutes 30. Soit réagir, donner aussi des propositions et un mot de la fin. On va commencer par Maître Céline. Merci beaucoup. La majorité actuelle a mené la nation dans un cul-de-sac. Et pour nous, nous sommes convaincus que nous ne voulons pas prendre les armes. Nous ne voulons pas mener les gens sur la route, sur la rue, pour faire du trouble. Nous proposons un dialogue, parce que dans ce dialogue, nous avons été, comment dire, quelle est l'expression? On nous a privés de nos droits depuis 2011, et nous disons que nous sommes à même de parler avec ceux qui sont en face pour que 2016 ne puisse pas reproduire les mêmes erreurs et que nous ne renforçons pas ce cul-de-sac. Nous pensons que le pouvoir actuel ne doit pas partager son échec avec les autres. Ils ont géré seuls. Ça veut dire que vous n'avez pas participé à un quelconque gouvernement de transition. Ils ont géré seuls, ils ont mené seuls le pays où il est aujourd'hui et nous proposons comme des Congolais nationalistes et patriotiques, que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour tant soit peu sauver la population. Alors, on va prendre ce moment. En fait, M. Abel, tu vas conclure. Et dans les 2 minutes 30, vous allez également donner vos considérations par rapport à tout ce qui a été dit. Et finalement, on va clôturer par M. Moment. Allez-y. Oui, je vais finir par dire que on ne gère pas un pays par défi, et sinon les défis reviennent pour s'opposer à celui qui en est l'initiateur. La majorité au pouvoir, par différentes questions, a ignoré les voix des autres. Je vais dire, lorsqu'il s'agissait des questions des 40%, lorsqu'il s'agissait des questions de découpage territorial, il y a des gens qui se sont opposés manifestement, mais la majorité a ignoré. Même récemment, on est passé à la nomination des commissaires spéciaux. La majorité a ignoré. Mais ce n'est pas seulement pour d'autres questions qu'on doit consulter ou dire non, vous avez réclamé les dialogues, nous vous attendons cela. Vous allez continuer. La nomination des commissaires spéciaux, selon vous, la majorité a ignoré quoi? Elle a refusé de respecter la Constitution parce que ça revêt un caractère, en fait, en quelque sorte, certaines recommandations de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour, évidemment, qui est... Puisque vous parlez de l'arrêt de la Cour constitutionnelle... En 30 secondes, vous revenez à votre conclusion. Je vais dire que cette Cour a raté son rendez-vous
d'avoir le discrédit du peuple congolais avec son fameux arrêt qui ne révèle pas en un seul instant l'idée de la constitution. On revient aux allocations. Nulle part on a une seule idée on qui parle de... Revenons à la question. Je vais dire ceci. Ce dialogue est inopportun. On l'a dit ici que ce dialogue c'est pour des questions électorales et qu'à la fin, je suis surpris d'entendre un communicateur de la majorité sur ce plateau dire qu'à la fin de ce dialogue, nous aurons un calendrier consensuel. Le dialogue commence à remplacer la CENI pour donner un calendrier. Je suis surpris. Le calendrier électoral est l'apanage de la CENI. Dire qu'il y a eu des calendriers qui ont été rejetés. Non. Contestés, mais pas rejetés. Déjà, c'était des calendriers de piège. Et nous, en tant qu'avertis, nous avons compris que c'était impraticable, ces calendriers-là. Est-ce que la majorité a suivi, le gouvernement a suivi, a donné les moyens à la CENI pour appliquer les deux calendriers? Non. Et donc, vous êtes en train de comprendre que on prend un peu les choses en otage. Ce qui est de bon, ce que les autres réclament, on étudie comment habiller ça pour que ça soit à notre avantage. Et lorsque l'État ne s'y prête pas, on laisse ça de côté. Lorsque le moment arrive, on remet ce que les autres réclamaient à son temps pour dire non. Majorité UDPS va profiter à l'UDPS ou à la majorité? C'est à la majorité. C'est à la majorité. L'UDPS est en train de faire un cadeau à la majorité. Et donc, je suis en train de conclure et je dis ceci. J'ai dit ceci. Comme Moïse Katumbi l'a dit, comme Vital Kamerhe l'a dit, les questions qu'on veut traiter au dialogue sont des questions d'ordre institutionnel. Alors que dans ces pays, nous n'avons pas de crise institutionnelle. Ces questions-là doivent être renvoyées dans leurs institutions respectives. C'est tout. Une tripartite CENI, opposition, majorité, pour traiter et avoir un calendrier consensuel. C'est à la CENI, ce n'est pas dans les dialogues. Vous appelez la CENI une institution d'appui à la démocratie. Vous l'appelez dans les dialogues. Qu'est-ce que ça signifie? Avant M. Momo, Jacob, une minute, vous avez terminé. C'est vous par vous qu'on va mettre un point final. Maître Saïd, vous êtes en train de réclamer la parole pour agir par rapport à ce que M. Mondala disait. Tantôt, il conteste une institution suprême sous les décisions qu'elle a prises. C'est dire que lui-même comprend que même cette institution est inféodée. Et tantôt, il veut retourner tout le pays à des institutions qui sont inféodées à la majorité. Nous disons non. Nous disons non, c'est là notre problème. Nous disons que nous voulons être à la table pour être sûr que les décisions qui sortiront de là seront des décisions qui vont profiter au peuple congolais. Parce que nous, nous avons toujours parlé au nom du peuple congolais. Je vais vous terminer par vous. Merci. Les Katangé, les Hauts Katangé, il faut préciser. Je les Hauts Katangé. Merci parce que vous prouvez que vous avez été contre. Les Hauts Katangé. Il a été contre le découpage. Allez-y, je vous montre. Il n'y a pas plus grande façon de découpage que moi. Allez-y. Tu peux demander à tes chefs. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je disais, les Hauts Katangé, les Louchois viennent d'assister ici à un pugilat systématique entre deux groupes d'opposition. Parce qu'en fait, Abel Augustin Mondala ne l'a pas dit au départ. Il est du groupe G7. Son ONG est à la source civile, ce moment. Allez-y, ce moment. Vous me refusez le droit de parler. Allez-y, je vous... Abel Augustin Mondala est son ONG. C'est ça la conclusion, ce moment. Oui, c'est dans ma conclusion. Allez-y. Il est du groupe politique appelé G7. Donc c'est une de ces ONG bidon fabriquées pour refléter la vision de G7. Alors, ça c'est ma vision. Allez-y. La deuxième des choses, c'est qu'on a démontré ici aux Louchois qui sont en train de nous suivre que les gens ne connaissent pas le fonctionnement d'un pays. Ils peuvent occuper de grandes fonctions, mais ils ne connaissent pas comment ça marche. Quand il y a une disposition constitutionnelle, pour qu'elle soit applicable, il y a des lois d'application. Les gens réclament 40%, ils croient que c'est une affaire de meeting. Ce n'est pas un meeting qui donne 40%, c'est une loi. Et c'est la loi qui est actuellement en discussion au Parlement. Donc ces gens-là qui en parlaient ne connaissaient rien de la matière. Ils croyaient qu'il suffit de faire deux ou trois déclarations et les choses changent. Alors,
Nous comprenons que beaucoup de Congolais ne comprennent pas le fonctionnement de ce pays. Ils croient que les institutions actuelles sont inféodées. Mais ils ne savent pas que les institutions actuelles ont deux tâches. La première chose, c'est la préservation de ce qu'il y a. Et la deuxième, c'est le développement de ce qu'il y a. Et ils croient que quand on a en main la gestion de ce pays, on peut se permettre n'importe quoi, on peut faire n'importe quelle déclaration, comme l'UDPS qui dit qu'on leur a privé leurs droits, on compte les fois et ils échouent, et puis ils trouvent qu'ils sont à la même fois. Nous n'avons pas échoué. Merci beaucoup. Même mais vous le savez. Les comptages officiels de voix... Je suis en train de... Deux minutes, je suis dans la... Donc, je voudrais ici dire que nous devons savoir faire une chose. Quand on vient faire la vue publique, il faut savoir assumer ses actes. Et nous les assumons. Et je crois que l'opposition à RDC ne sait pas les assumer. C'est pour ça que nous voulons que nous discutions directement avec eux. Parce qu'au sein des institutions où ils devaient s'exprimer, où ils participent, où ils ont une voix active et délibérative, ils ont montré leurs limites quant à la gestion de ces pays. Donc, allons ensemble au dialogue, discutons, sortons un cadre propice à ce que, quand la CNI sortira un calendrier, que tout le monde soit d'accord. Je n'ai jamais dit que ça, le dialogue qui va sortir un calendrier, mais qu'à la fin, les résolutions que nous aurons sorties permettront de sortir un calendrier qui sera accepté. De toute façon, nous n'avons pas participé aux institutions. Nous sommes absents. Merci beaucoup. C'est votre liberté de refuser ou d'assumer. Nous avions prévu. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Merci d'avoir fait le moufoumou en politique. Voilà. Merci. Vous savez, quand on fait la politique, on doit aussi être visionnaire. Et nous l'avons été. Voilà. Momo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je remercie Maître Céline Abel Augustin Mundala d'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes communicateur à la majorité présidentielle. Un des communicateurs. Voilà. Avec tout un noyau, voilà. Ouais. Et chargé de la sensibilisation, la mobilisation au niveau du PPRD là-bas. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à Maître Céline Kanyeba, cadre de l'UDPS au niveau de la Fédération de Lubumbashi. Merci d'avoir accepté de partager avec nous dans ce magazine. Merci beaucoup. Une femme formidable. Et surtout, merci à M. Abel pour ce temps que nous avons partagé sur ce plateau. Merci à M. Augustin Abel Amundala, président national de l'ONG Vision Nationale. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ce magazine. Merci, c'était vraiment un plaisir. Merci à tous les co-débatteurs avec moi ici sur ce plateau. Et donc, 2016, il y a une lueur d'espoir pour ces pays. Nous voulons les changements des choses. Bien, Carrefour d'analyse se referme. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous passons chaque dimanche à 20h30. La rediffusion, c'est chaque lundi à 14h. Mais les internautes, le rendez-vous, c'est sur YouTube. Vous allez suivre Carrefour d'analyse dans l'intégralité. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. We'll be right back.